السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بونجور تو لو موند، جيسبر كو زالي تري بيان. اليوم لدينا حل فرض فصل ثاني تلاميذ السنة الأولى متوسط. فلنبدأ على بركة الله. نقرأ النص مرة بدون شرح ثم نعيده مع الشرح. سي كوا لا تيليفزيون؟ La télévision est une belle invention du XXe siècle. Aujourd'hui, elle est omniprésente dans notre quotidien. C'est une composante incontournable du monde moderne. Mais quels sont ses avantages? Le petit écran, autrement dit la télévision, nous permet de suivre les informations quotidiennement, de regarder les films, d'écouter la musique. Elle nous ouvre aussi une fenêtre sur le monde extérieur. Donc, la télévision a beaucoup de bienfaits et c'est pourquoi on la trouve dans tous les foyers. Oui. Alors, on nous voit, c'est quoi la télévision? Yani, mais où est-il fait? La télévision est une belle invention du XXe siècle. Yani, est-il fait? Ou est-il fait? Aujourd'hui, اليوم, elle est omniprésente dans notre quotidien. هو موجود في كل مكان في حياتنا اليومية. C'est une composante incontournable du monde moderne. هو عنصر جد ضروري في عالمنا العصري. Mais quels sont ses avantages? ما هي ميزاته أو ما هي محاسنه؟ Le petit écran, autrement dit la télévision. الشاشة الصغيرة أو بتعبير آخر التلفاز nous permet de suivre les informations quotidiennement. يسمح لنا بمتابعة الأخبار بشكل يومي. De regarder les films, مشاهدة الأفلام, d'écouter la musique, استماع للموسيقى. Elle nous ouvre aussi une fenêtre sur le monde extérieur. يفتح لنا أيضا نافذة على العالم الخارجي. Donc, Ivan, la télévision a beaucoup de bienfaits. At-tilfazi ladayhi mahasin kathira, et c'est pourquoi on la trouve dans tous les foyers. Wa li hadha as-sabab najiduhu fi kulli al-manazil. Ntaqil ila as-ila. On commence par la compréhension de l'écrit. Encadre la bonne réponse. Yani, dha' al-ijaba as-sahiha fi itar. Le type de ce texte est explicatif, descriptif ou bien narratif. Alors, le type de ce texte est explicatif. Le thème du texte, ma huwa mawdou' an-nass. Est-ce le téléphone portable, la télévision ou bien l'internet? Fi hadha an-nass 'ala ma natahaddath? 'An al-hatif an-naqal, 'an al-tilfaz ou l'internet. Alors la bonne réponse c'est la télévision. السؤال الثاني الآن. Réponds par vrai ou faux. La télévision est un appareil photo. Est-ce que c'est vrai? Faux. هل التلفاز هو آلة تصوير? Alors dis que c'est faux. La télévision est très importante. هل التلفاز مهم جدا? On dit que c'est vrai. في وقتنا الحالي التلفاز مهم جدا. السؤال الثالث يقول relève du texte deux avantages de la télévision. Alors, استخرج من النص ميزتين التلفاز. من النص le petit écran autrement de la télévision nous permet de alors suivre les informations quotidiennement d'un hada. Le premier avantage, aussi, on a de regarder les films, d'écouter la musique, et aussi, on a, elle nous ouvre aussi une fenêtre sur le monde extérieur. Et donc, nous avons mis les deux. La question de Rabia Yakoul complète le tableau suivant en relevant la définition, une reformulation. La définition, il y a la télévision. Est une belle invention du XXe siècle. Et le tarif huna, ou bien la définition, il y a huna. La télévision est une belle invention du XXe siècle. La reformulation, le N,
Le petit écran, autrement dit la télévision. Et voici le mustamel pour la reformulation, c'est autrement dit. Alors, le petit écran, autrement dit la télévision, c'est la reformulation. Nكتب الإجابة. السؤال الخامس الآن. Exprime la cause dans les phrases suivantes à l'aide d'un connecteur. يعني عبر عن السبب في الجمل التالية باستعمال un connecteur de cause. La télévision est populaire, elle facilite la vie. Alors le connecteur qu'on peut utiliser ici c'est car. La télévision est populaire car elle facilite la vie ou bien parce qu'elle facilite la vie. سؤال السادس souligne l'expression de la cause. يعني مسطر تحتها عبارة السبب. Grâce à la télévision, on peut s'amuser. بفضل التلفاز نستطيع أن نستمتع أو أن نرفه عن أنفسنا. Alors, l'expression de la cause c'est grâce à. Grâce à la télévision. السؤال السابع يقول mais les phrases entre parenthèses au passé composé. يعني نصرف الأفعال الموجودة بين قوسين في le passé composé. الجملة الأولى nous. Le verbe c'est chercher. Plusieurs moyens pour évoluer. Alors, المطلوب هو تصريف هذا الفعل في زمن الماضي le passé composé. On a ici le pronom personnel, c'est nous. Nous, c'est le sujet. Alors, on dit nous avons cherché. Nous avons, c'est le verbe avoir. Chercher, c'est le participe passé du verbe chercher. Alors, ici, puisqu'on a le verbe avoir, le participe passé ne va pas s'accorder. Nous avons cherché plusieurs moyens pour évoluer. Deuxième phrase. Les télévisions, c'est au pluriel. Le verbe s'est changé. Notre vie. Alors, on dit les télévisions ont changé. On, c'est le verbe avoir. Changer, c'est le participe passé du verbe changer qui est un verbe du premier groupe. Alors, on dit les télévisions ont changé notre vie. Question numéro 8. Accorde le participe passé avec son sujet. C'est l'accord du participe passé. Alors, la technologie est. Le participe ici, c'est rentré dans notre quotidien. Alors, la technologie, c'est un nom féminin. Ici, on a le verbe être. Alors, on dit la technologie est rentrée. Alors, on va ajouter le « e » parce que la technologie est un nom féminin. SOLTCLN, réécris la phrase suivante en commençant par « les ». إذن, أعد كتابة الجملة التالية مع البدء ب لي. Ici, on a « La fille a acheté une télévision moderne. » Alors, on dit « les filles ». On va ajouter le S. Les, c'est pluriel. On va mettre la fille au pluriel. On ajoute le S. A acheté, on dit ont acheté. Une télévision. On peut dire les filles ont acheté une télévision moderne ou bien les filles ont acheté des télévisions modernes. C'est la même chose. إذا قلنا هنا بأن كلتا الإجابتين صحيحتين يمكن أن نقول les filles ont acheté des télévisions modernes ou bien les filles ont acheté une télévision moderne. إذا بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية الفيديو. أتمنى أن تكونوا قد استفدتم. شكرا على متابعتكم والسلام عليكم.